Bonjour, je m'appelle Adrien. J'ai rejoint l'aventure Les Nouveaux Héritiers il y a 10 ans, d'abord sur un poste de consultant en recrutement. J'ai eu la chance d'évoluer assez rapidement sur un poste de manager, directeur avec une notion d'association et je suis aujourd'hui directeur du développement. Les Nouveaux Héritiers est une agence de ressources humaines. On existe depuis près de 30 ans et en 30 ans, nos interlocuteurs ont toujours été les mêmes. D'un côté, les talents à travers les candidats, les collaborateurs. On est l'un ou l'autre en fonction de l'avancée dans sa carrière. Et de l'autre, l'entreprise à travers les directions métiers, les directions générales, mais aussi bien sûr les directions ressources humaines. Plus on avance dans le temps, plus on se rend compte en fait que le recrutement ne se fait plus sur un temps extrêmement court et qu'il nécessite aujourd'hui de penser à ce qu'il y a en amont et de bien penser à ce qu'il y aura après pour être pertinent effectivement sur ce recrutement. Donc pour répondre à ces enjeux globaux, les nouveaux héritiers, en fait, ce sont trois équipes. Deux équipes au niveau du recrutement, une équipe qui porte les activités recrutement intérim qui vont s'intéresser au profil junior, employé jusqu'à un premier niveau de management, plutôt pour les métiers de fonction de sièges sociaux. L'équipe recrutement middle et top management qui, elle, va traiter des profils plus spécifiques, qui nécessitent une approche là aussi qui sera plus complexe et qui peut aller jusqu'à des métiers de comité de direction, comité exécutif. La dernière équipe, c'est l'équipe conseil RH et formation qui, elle, justement, va traiter les enjeux en amont du recrutement et en aval. En amont, tout ce qui touche à l'attractivité, en aval, tout ce qui touche à la fidélisation. Si vous cherchez un métier qui fait sens, que notre approche qualitative et sur mesure vous plaît et que vous souhaitez rejoindre un projet entouré de passionnés, postulez et rencontrons-nous.